Allez, le replay de la partie que je viens de faire, histoire de voir un petit peu les progressions. Donc bon, une ouverture assez lente, classique. Là, curieusement, le noir a reculé, donc du coup, ça me permet de continuer à ouvrir. Là, je prends une menace, je protège immédiatement. Là, j'ai une menace de diagonale, mais sur du vide. Donc à part m'empêcher de roquer, ça fait absolument rien. Là, il y a un gaspillage du cavalier blanc, du cavalier noir. Donc ça, c'est un sacrifice totalement inutile. Donc là, il essaye de sortir à son tour. Là, le coup classique, grave erreur, laisser faire une fourchette entre le roi et la dame. Donc bien sûr, la dame est perdue, je sacrifie mon cavalier au profit de la dame. Là, il y a un sacrifice totalement inutile, encore une fois, d'un pion. Je pense que c'est une tentative de destruction de structure, mais comme j'ai de toute façon pas joué sur une structure depuis que j'ai basculé de l'ouverture à l'attaque, c'est totalement inutile. Donc là, j'ai une première menace, mais qui en fait, je l'avais vu venir, donc j'ai pu m'en protéger facilement. Là, j'accepte le sacrifice pour gagner un temps. Donc boum, double mise en échec. Enfin, triple même, puisqu'il y a aussi par transparence. Au niveau de la colonne D. Donc coup forcé, ce qui me permet de détruire la pièce qui restait. Donc là, je cherche un petit peu une solution que j'arrive pas trop à trouver, je perds un petit peu de temps. Et là, boum, ça y est, c'est reparti. Là, je coince dans les diagonales. J'oblige à casser sa structure de double tour. Je l'oblige à prendre un risque, donc je bouffe la tour. Et à partir de là, c'est terminé, quoi. Quand le roi commence à se balader, que je suis en mode poursuite, typiquement, c'est rare que celui qui est poursuivi gagne. En général, si on accepte de perdre du temps, de ne pas être trop agressif, on finit toujours par bouffer les pièces. Et si on arrive à bouffer les pièces, boum. Voilà. À partir de là, c'est terminé. Là, on fait du nettoyage petit à petit, c'est qu'une histoire de patience. Et là, c'est terminé, quoi. Hop, 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 hop. Hop là, la petite faute qu'il fallait surtout pas faire. Puisqu'à partir de là, c'est terminé. L'élimination totale. Il n'existe pas suffisamment de coups consécutifs pour obtenir un nul de la part du noir. Boum, boum, fini. Alors concrètement, je vais reprendre une partie de la. C'est grosso modo à partir. Hop, allez où la poursuite là. Voilà, grosso modo, c'est à partir de cette position là. On va dire que ça a vraiment commencé à être foutu pour mon adversaire. Donc c'est une partie qui a été jouée sur, sur chess, sur un Android, sur un téléphone. Donc à partir de là, c'est terminé. Là, j'attends, je patiente un peu. Il est obligé de sortir ses tours parce que son cavalier est bien placé pour le protéger. Mais en même temps, ce mouvement-là ne menace rien de mon côté blanc. Ce mouvement-là, par contre, est une très grave erreur puisqu'il était totalement inutile. Et résultat, il perd sa tour. Donc là, moi, j'ai fou dame contre tour cavalier. J'ai un pion de plus, c'est évident que c'est foutu pour lui là. Là, à moins que je fasse une erreur, c'était évident. Donc là, je me mets en mode poursuite. Boum, boum, boum. Je commets surtout pas l'erreur ici d'attaquer la tour, parce que je rappelle qu'elle est toujours protégée par le cavalier de la colonne F. Donc je patiente. J'insiste. Et là, boum. Boum. Et le cavalier est pris, il reste plus que la tour. Donc à partir de là, je patiente un peu, je cherche des solutions. Je sacrifie parce que je vois bien que c'est fait. Hein. Et à partir de là, terminé. Là, grosse menace, je sacrifie le pion. Là, j'attaque directement pour prendre le pion. Je veux bloquer la colonne B complètement. Et c'est là que j'attends. 1, 2, 3, 3 demi-mouvements, enfin 4 demi-mouvements.
avant le mat. Il fallait 6 demi-mouvements, donc 3 mouvements complets, pour obtenir une partie nulle de la part des noirs. Mais comme j'avais un gain de temps, j'avais quasiment... j'avais un tour complet d'avance sur cette possibilité-là, ce qui fait que c'était trop tard pour lui. Donc je continue à progresser tranquillement, petit à petit. À bientôt.